Et salut tout le monde, c'est Sky, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Nevermind. Et comme promis, j'ai fait l'étage. Voici ma création. Avec des échelles sur le côté pour pouvoir monter à l'étage supérieur. Je pense mettre une deuxième couche de stone brick pour faire les espèces de plinthes qu'on a en bas là. Pour remettre des trucs comme ça par-dessus. Donc, globalement. Bon, j'ai fait des échelles de l'entrée, c'est pas grave. J'ai vraiment tout utilisé. Hein. J'ai vraiment plus rien. J'ai miné comme un malade. J'ai mis un peu ici de la clé. Sinon, j'ai rempli de bois ici. Et là, une petite fente. Car ici, vous voyez là où c'est creusé, il y aura un beacon. Un beacon décoratif. Celui-là ne servira à rien, juste à part décorer. Je me ferai quelques withers. Hop. Allons voir de l'intérieur. Et magie! Pas mal, hein? Ça rend bien, moi, je trouve. Moi, je dis, ça rend super. Rajouter quelques torches. J'ai encore des torches sur moi. On a toute la merde là-dedans. Attendez, je vais chercher quelques torches parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de torches là-dedans. Parce que j'ai pas envie que ça spawn, en fait. Parce que là, je suis encore en peaceful pour vous montrer le truc. Mais après, je serai plus en peaceful. Parce que oui, aujourd'hui, nous partons à l'aventure. Nous allons aller dans la jungle pour récupérer une rimstone. Celle de Precasia. Et j'aimerais aussi récupérer la rimstone de Mysterium. Donc, j'ai pas réussi à drop. J'ai rien drop, en fait. Hein. J'ai vraiment juste fait la construction. Ça m'a duré... Ça a pris combien de temps? Allez. 10 minutes, 10-20 minutes, à peu près. C'était quand même assez chiant. Mais ça va, c'était pas si dur que ça. Voilà. Hop, donc je vais prendre. C'est où? Trie-moi ça, toi. Ah, il me reste encore 4 vitres. Bon, c'est pas grand-chose, hein, bah, comparé à tout ce que j'avais comme verre tout à l'heure. Enfin, dans l'épisode précédent. Ça équivaut à tout à l'heure, puisque je tourne à la suite. Donc voilà. Comme ça, je pourrais mettre des bannières un peu partout. Ouais, on va essayer d'aménager un petit peu cette tour. Enfin. Tour, pas vraiment une tour. Je me suis dit, et si je faisais une sphère au dernier étage ou un truc dans ce goût-là, une espèce de chapeau pour fermer la tour. Je me suis dit, je vais pas faire une grande tour, je vais faire maximum 3 étages, pas plus. Avec peut-être évidemment des caves, je sais pas. Pour l'instant, je suis pas sûr, mais je veux rester sur un format assez comme ça. Voilà. Pour l'instant, et j'ai mis la porte là-bas, mais tout ce mur-là englobera bientôt. Ça en fera partie. Pour l'instant, je vois pas comment je pourrais faire. Mais plus tard, peut-être, on verra. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. Tiens, je vais récolter ça, tu vois. Où est la hache? Pour l'instant, j'ai pas encore la récolte automatique. Oh, peut-être que je ferai ce système là-dedans, j'en sais rien. Vu qu'il faut de la lumière. Je sais pas s'il faut de la lumière, en fait. Je crois que si. Bon, en tout cas, s'il en faut, je mettrai ça sur le toit. Ou un truc comme ça. J'aurais peut-être dû faire de la sandstone aussi. Oh, peut-être que je foutrais de la sandstone par terre là-bas. Pour le sol. Il va me falloir aussi des blocs de fer pour faire la pyramide. Du beacon. Enfin, seulement 9 devraient suffire. Pour le socle. 9 blocs de fer, ce qui fait 81. J'ai pas assez. Mais je pourrais. Je pourrais le faire. Ouais, bah, il me reste pas grand chose quand même. Hein. Donc voilà, je suis content. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bien parce que on voit bien. On voit bien le truc. Vous voyez que ça fait pas rond. Ça fait pas rond du tout. Mais c'est pas grave. Moi je trouve que ça rend joli comme ça. C'est pas rond. Ça fait un carré arrondi en fait. Bah moi je trouve que ça. C'est une forme insolite. Voilà, c'est pas mauvais. En plus, on voit la petite croix au centre et tout. Moi, je dis, ça vaut le détour. Après, oui, c'est normal. C'est pas très rond parce que j'aurais dû faire 3-1 directement. Mais j'ai fait 3-2-1. Donc, du coup, ça a fait un carré un peu plus arrondi. Mais c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est plutôt joli. Ça rend bien. Et puis, c'est géant. Voilà. Moi, je trouve que de haut, tu vois, ça rend bien. La forme est superbe. En plus, l'association des matériaux du bois, parce que j'ai voulu remplacer la stone brick, je préférais le bois, avec ça. Là, bah, je me suis dit, ça allait bien le faire et tout. Et puis,
Ça rend pas mal au final, hein. Vous voyez, ça rend plutôt très bien. Hein. J'ai mis du bois là en dessous aussi. Ça, on n'a pas besoin de le changer, c'est juste voilà, sous les portes, etc. Ça m'a vraiment bouffé beaucoup de bois. Par contre, je crois que j'ai encore un peu de bois. Je crois qu'il me reste pas grand-chose. Évidemment, j'ai le bois de creep parce que ça sert à rien, je peux rien faire avec. J'ai vraiment plus de bois? Ah, va falloir que j'aille en reminer, je crois. Ah, j'en ai encore. Pouh! Je pensais que j'en avais plus. Quelle chance. Ouais. Ah oui, non, ce bois-là, je l'avais laissé là-bas et du coup, j'avais commencé à miner autre chose. Ouais. J'ai beaucoup de merde, faudrait que je m'en débarrasse. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit peu de découverte. Nous allons aller dans la jungle. Donc la jungle, on l'a vu, elle était derrière de notre maison. Donc on va aller réactiver les mobs d'ailleurs. On a assez vu la maison. Et aller dans la jungle. Il faudrait que je fasse un plongeoir ici, peut-être que ça... Ah putain, je voulais sprinter, le mec il a pas voulu. Pas content ceux-là. On va essayer d'aller en entier à la jungle si possible. Pourquoi ça lag autant? Parce que ça charge, bien sûr. Voilà. Wow! J'ai pas de flingue. Voilà, les incontournables du mode, c'est-à-dire se faire pourchasser par des dizaines de milliards de mobs. Classique. Ah! J'aime pas ce lag. Et en plus, on va laguer encore plus. Regardez-moi ça. C'est bon, on ne pourchasse plus. Très bien. Alors, voyons voir. Il y a aussi la Rimstone de Abyss à retrouver avec le Blood Hunt. Mais pour l'instant, on l'a pas. L'Event. Dès que je l'aurai, faudrait que je voie pour. Faudrait surtout que j'essaye d'avoir un flingue. Ce serait plus pratique. Où sont les mobs? Ah, je lag! Ah, c'est bon. Non, en fait, non. Ça freeze par moment, je sais pas pourquoi. Ah, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a un champignon, donc c'est une roufette forest, j'imagine. Non. Un champignon comme ça dans la jungle? Ah, si, c'est une roufette forest. Oh, j'aime pas ces roufettes forest, elles sont tellement, tellement... D'accord, du premier coup. Bon, bah, très bien, hein. L'expédition est terminée. Ah oui, mais d'accord, mais ils ont 100% de drop en fait, c'est ça? Ok, d'accord. Bon, bah c'est. Mec, si je les reçois deux fois de suite, c'est pas forcément de la chance. Hein. C'est souvent du taux de drop de 100%. Ok, bon, bah. Voilà, nous pouvons sortir de la jungle. Expédition terminée. Ah, c'est pas possible, je suis à peine rentré, que j'ai déjà eu ce que je voulais. C'est trop court. Par contre, j'ai faim. Oh, tiens, j'ai une pomme. S'en fout des pommes d'or. Quoique, je vais quand même les garder. Tiens, en fait, je peux faire des blocs de neige. Non, attendez, on va garder ça pour l'Ender Dragon. Parce que la technique boule de neige coup de lit, c'est pas mal. Donne-moi des sticks, toi. Ah non, tu veux pas. C'est quoi ce bruit? Mais il m'a suivi en plus! Reste chez toi! Ouais, c'est. Le taux de drop est de 100%, sinon j'en aurais pas deux à chaque fois. Et pour Mysterium, faut attendre la nuit. Bon, on peut déjà aller à Precasia, se faire le boss si possible. J'ai encore deux portails. Des portos, et ouais. Donc il va falloir que je traverse ce champ de mine. Et merde, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je voulais appuyer sur W, j'ai appuyé sur Q sans faire exprès. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bouffer de la viande parce que j'ai faim. Mon steak, j'ai tout bouffé? Faut croire. Ouais, il y a des cochons vers la plaine, désert, tout ça là-bas. C'était facile à avoir. Dans les forêts aussi. D'ailleurs, il y en a peut-être encore, je crois. Parce que je crois qu'ils respawnent. Pas sûr. Mais en tout cas, le farm était facile. Alors là, on passe par où? Allons-y, Franco! Ah! Grouille, grouille, grouille! Allez,
Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Dans l'eau. Grouille, grouille, grouille. Il me suit. Aïe, il m'a eu. Putain, casse-toi, 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 casse-toi. Ah. Bon, un peu de baston. Ils m'ont quand même eu. Pff, comment ils font pour nager aussi vite? Vraiment, c'est pas possible. Alors... La maison est derrière. De toute façon, maintenant, on la perdra plus avec le gros bâtiment qu'il y a. On y retourne. Et juste derrière cette petite montagne, on a le gros bâtiment. Alors oui, finalement, je me suis dit, je vais pas tout de suite terraformer, je ferai ça plus tard, parce que là, je voulais absolument partir en aventure, et comme j'avais déjà fait ça, putain, c'est pas possible ça. Ouais, il se tire dessus. On va les laisser faire. D'accord, ils se sont liés contre moi en fait. Ok, bon, toi tu veux bien dégager s'il te plaît. Déjà que c'est... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Et j'imagine que ça a pop là-dedans. Ouais, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Coucou. C'est pas chez vous ici, cassez-vous. Alors, le BL. Les torches sont à la maison, évidemment. On va s'occuper du BL tout de suite. Et après, Gonezer? Ou alors Precasia, c'est mieux. Non, pas le hopper. Du coup, je vais prendre un blueprint. Et on va le poser plus tard. Ça, tu vas ranger. Ça, je vais pas le garder d'ailleurs. Pourquoi je l'ai pris, je sais pas. Aucune idée, bref. J'ai 56 virus quand même, c'est pas mal. Netherwart, là, je suis full. Full de chez full. Bon, moi je veux ça. Vas-y, donne-moi de la satiété, ça c'est toujours bon. Ah bah, je vais pas prendre les échelles avec moi. Pose-moi ça. Ça pop toujours? Non, ça pop pas beaucoup, ça va. Par contre, j'imagine que ça pop sur le toit. J'ai pas. Ah, j'ai oublié de mettre des torches sur le toit. Ok, bah j'y ferai ça. Off. Voilà. J'imagine que là il y a du BL puisque ça se voit très bien. Là, je vais d'abord mettre des torches sur les taches jaunes. Et après, on regardera le BL. Il a pop dehors. Ok, alors, maintenant on va utiliser le BL. Alors, ici on a un BL de 10. Alors, ok, alors, j'imagine que là on doit être à 7 quelque part ici, je pense. 9, 10, 9, 10, 11, 13, 12. 11, 12, 10, 9, si je vais par là. Genre là contre le mur. Ouais, 7, t'es sûr. Bon, on va.
Ok, super, très bien. Ah tiens, j'attends, je vais mettre des torches sur les murs. D'abord, on va s'occuper du mur. Je pense qu'on va mettre une torche. Là. Là, j'en mets une. Ici. Là, j'en mets une. Ici. Hop, on va essayer à peu près de faire quelque chose de symétrique. C'est quand même plus joli quand tu fais quelque chose de symétrique, hein. C'est clair. Tous les mobs. D'accord, ils ont pop chez moi comme ça, en mode ok, au calme. Ça va aussi, vous voulez du café? Oh putain. Mais ils pop carrément chez moi, quoi. Comment je vais faire pour les virer? J'ai pas envie de tout dalle non plus. Les dalles, c'est pas forcément beau. J'aimerais ne pas avoir à être dérangé à chaque fois. Comme dit, hein, si je suis trop dérangé, hein, peaceful. Parce que là, je suis pas en fight. Encore quelques torches et puis ça sera bon. Oh, je vais gaspiller tout un stack juste pour ça, quoi. T'inquiète, les mobs ne rentrent pas. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Je pense qu'on mettra des espèces de lampes ou des espèces de... Ouais, on peut mettre des glowstones. Enfin, pas des glowstones. Dommage qu'il n'y ait pas les 6 lanternes. On verra ce que le mode propose comme truc lumineux parce que je sais qu'il y a pas mal de trucs lumineux dans ce mode. On verra bien. Coco, tu peux pas. Eh non! Coucou, au revoir. Je m'amuse tellement bien avec cette porte. Non, merci. Alors, et maintenant on va s'occuper du BL. Donc là j'ai un BL de 8. On va en mettre quand même. Pour être sûr. J'ai 10, 10, 9, 11, 10, 10, 9, 8. Bon, je préfère être prudent en fait. 1, 9. Spawn pas. Oh putain, il spawn quand même chez moi, mais c'est pas possible. Alors du coup. Bon, par contre, on va baisser un peu le niveau des. Hein? Ici, on est à 11. Je vais quand même mettre ici. 9, 8, 9. Attends, il n'y a pas de 7 ici. Je vais quand même mettre, on n'est jamais trop prudent. Il y aura des espèces de salles un peu partout. Je pense que je vais essayer d'aménager un peu en vraie maison. Genre. Salon, salle à manger, cuisine, enfin, tout ce bordel quoi. Quoi, ils traversent les murs? Depuis quand ils traversent les murs, ceux-là? Genre, ils m'ont vu à travers la vitre. Je les ai vus traverser la vitre, quoi. Continue le BL. 11, 10. Là, il y a 9. 10, 9. Là, il y a 8. Je préfère mettre... Hop. 9. Ici, 9. 9. 10. 9. Là. Non, pas ici en fait. On va plutôt placer là. Voilà pour qu'on soit à peu près à 13 partout. 9. 9. 9. Ici, on va placer pour être sûr. Là, c'est bien, bien jaune. Et pourtant, on est à... 19. Placé quand même. Ici, je crois que... Ah, 8. On va plutôt mettre ici. 1, 19, 10, 10, 11, 11, 11, 10, 9, 9. Oh, bah, ça va, c'est plutôt bien éclairé ici.
Ok, c'est bon. Il est où? Que je lui casse la gueule. Il y a un Pig Ben qui est sorti. Par derrière, bien évidemment. Comment il est sorti, lui? Il aurait pas dû. C'est fermé pourtant ici, comment tu peux sortir? Par derrière aussi c'est fermé, je comprends pas. Ah, il a peut-être dû sortir de ce portail-là, je sais pas pourquoi, mais Pig Ben arrive quand même à sortir par un portail de ce type. Je sais pas pourquoi. Un bug. Oh, oh, j'aime pas ce bruit. Coucou Creeper. Au revoir Creeper. On va aller torcher là-haut parce que là-haut ça doit être Bagdad là-haut. Oh non, ça va. Il y en a un, c'est tout. Ok, I need torch. Ah bah on y va. Chercher des torches. J'ai besoin de torches pour y voir quelque chose. Je dépense trop de torches. Oups, merde. Parce qu'il y en a marre que ça spawn dans la baraque quand même. Qu'est-ce que ça sera quand tu auras 3 étages? Il y a un zombie. Hop, on enlève le plus du noir et après on vérifie avec le BL. Toujours, toujours faire ça. Avec Nevermind, il faut être deux fois plus prudent. On ne sait jamais à ce qu'on peut avoir à faire. Voilà. Le BL maintenant. Alors, ici on a... Que je le trouve. Voilà, 8, 9. On a beaucoup de 8, de 9. Là, je pense qu'on a 7 dans un coin, obligé. Non, non, beaucoup de 8. Je vais quand même placer une torche. Plutôt là où je suis, en fait. Alors, 8, 9, 8. Oh, on va placer... Pas ici, mais... Là, on a 10. Allez. Oh. C'est pas grave. Ah oui, sur les bords. Sur les bords, j'ai pas vérifié sur les bords. On est forcément à 7 sur les bords. Ah oui, effectivement, là ça va spawner. Quoi? Oh d'accord. Il m'a shooté. Laisse pas faire mon boulot, mécréant. Et une dernière torche, là. Oh bah pas une dernière, ici, une dernière. Une là encore. Et on a fait le tour. Voilà. Alors, est-ce qu'on a du BL intéressant là-dedans? Du 8 là, je préfère. Je préfère éviter le pire. Ah bah là, je peux poser une torche. C'est pas une bonne idée parce que c'est là qu'il y aura le beacon. Le faisceau. On fera peut-être un truc arc-en-ciel. Parce qu'il me semble que le faisceau du beacon, quand il traverse le vert coloré, ça fait un faisceau de couleurs différentes. On pourra faire un truc arc-en-ciel. Je sais pas comment encore, mais on verra ça. Et pour l'instant, les wizards m'ont donné que dalle. Pas de crâne.
Bon, je pense qu'on a fait le tour du BL au-dessus, non? Ouais, y a plus rien, on est quasiment jamais sous les 10. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bref, écoutez, je pense qu'on va, hop, utiliser le petit portail. On va pas se quitter tout de suite, bientôt, mais pas encore. On va peut-être aller dormir, non? C'est où l'échelle? C'est là, mais il y a quelqu'un en bas. Merci. C'est de l'XP, écoutez. Oh bah il commence à faire jour, mais je préfère passer les... Oh. Soyons prudents. En plus il pleut, génial. Ah non, 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 non. Ça par contre je refuse. Allez vous faire voir. Ah d'accord, en fait la pluie était partie juste au moment où j'avais entré le code. Super. D'accord. Alors, où allons-nous mettre ce portail? Et déjà, y a-t-il du mob? Oh putain, mais c'est pas vrai! Ça spawn encore avec la lumière, quoi! Je crois que je vais devoir d'aller. Ça spawn beaucoup moins qu'avant. Il y a du bel ici? Où ça? Non. Il y a même plus de 8. Ça peut pas spawner. Impossible. 9, parce que la torche est en hauteur. Non, c'est censé faire 12. Je comprends pas. Plaçons-en une de plus. Voilà. Oh, coucou. Très bien. Oh, il va quand même eu celui-là. Hop. Viens là, toi. Oh là là, je vais tellement avoir de contenu à publier sur YouTube. Eh ouais, ça fait beaucoup. Hein. Je sais, j'ai beaucoup tourné aujourd'hui. C'est plutôt super. Ouais, il a repoussé. Casse-toi, toi. Je suis assailli par les mobs. J'ai le droit de poser mon portail, non? On va le poser là, droit devant. Ça commence à faire beaucoup de portails. Ça fait presque du n'importe quoi. Mais écoutez, on va pousser. Oh! Attends, j'ai une meilleure idée, on peut le mettre là-haut. Allez, je mets de ce sens pour que ce soit à l'endroit. Non, c'est du sens où je regarde que justement il y a le bloc. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc du coup, j'ai écrasé les torches. Merde. Bon, tant pis. Allons-y. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regarde-moi ça. Allons-y, sécurisons le portail. Allez. Oh, je finis sur les arbres. Oh, bah super, je finis sur les arbres. Pourquoi pas? Non, ça m'arrange pas du tout en fait. Regardez ce bloc, il m'intéresse. Qu'est-ce que c'est ce bloc? Je sais pas, mais ça a l'air super joli. Ça, c'est pas des lianes. Donc, on se fait. Oh, putain. Vous êtes sérieux? Sur un arbre? Bon, il y a du bois. Ok. Vous voyez qu'on peut pas grimper. Hein.
Avec 40 blocs, je pense qu'on peut. 44, pardon, du Stranglewood, très bien. Je pense qu'on peut descendre, non? Ouais, enfin non. Aïe. Bon, ça va, j'ai pas trop pris. Je vais faire un escalier. Oh putain. J'avais oublié que les plantes, elles sont hyper dures. Faire un petit escalier. On va économiser le bois. Bah attends. J'ai des échelles? Non? Oh putain, je crois que j'ai laissé les échelles à la maison. Yes! Oh là là. Bon attends, tu sais quoi? On va prendre ça, ça, ça. Et on va virer ça. Hop, et hop, voilà. Ouch. Oh, quoi que, attends. Essayons de faire un escalier qui descend. Merde. Voilà. Bon, c'est de la merde, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. C'est quoi ce bloc? Du sable de Pricasia. On dirait de la pierre. Il est joli ce sable. Est-ce qu'il prend la gravité? Non, il prend pas la gravité. Moi j'aime bien ce sable. Bon, il a beaucoup trop de couleurs. Il a un peu beaucoup de couleurs, mais moi j'aime bien. Je le garde. On est où exactement? Précasian désert. Ah, on est dans un désert. Ok. Bah écoutez, on va retourner en arrière. Je sais pas où. Et nous sommes dans un désert. Ok. Comment on sort du désert? Eh, il n'y a pas de mob. C'est bien ce que je pensais. C'est toujours aussi buggé. Il n'y a pas de mob. Normalement, il est censé y en avoir, mais il n'y en a pas. Je suis dans un bio. Je suis dans un des nouveaux biomes en fait. Regardez-moi ces arbres gigantesques. Oh là là. Alors, je vais juste. Je vais marquer le point. Tiens, tant qu'à faire. On va plutôt. Voilà. Faire en sorte que je sorte pas du mauvais côté. Attends, on va faire plus simple. Voilà. Avec la buzz. Ça marche toujours. C'est pas mal ça. On dirait des cerisiers. J'aurais dû avoir le gravitator, mais je l'ai pas. Faudrait que je le farme celui-là. Je pense que pour le prochain épisode, je vais essayer de l'avoir. Alors, structure. Ça va être difficile de trouver ça dans un biome où il n'y a rien du tout. Ok, super, bon. J'ai faim. Nom 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 nom. Et Johnny m'a dit quoi? Qu'il y a du désert tout autour de moi. Bon, on va essayer d'aller vers en bas. Justement, là-bas, je crois que je fais facing, le fais. Ah, rien. Le facing, c'est quoi? Nord. Ok, faut que j'aille au sud. Donc de l'autre côté. Avec du très beau sable d'ailleurs. Moi, je le veux bien pour la déco. Parce que mine de rien, il prend pas la gravité, donc c'est plutôt joli. Ah, il y a un truc là. Je sais pas ce que c'est, mais. Coucou! Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Résistance. What? Mais attends, il y a masse de mobs qui m'attend au bout de la forêt.
Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça! Il y a des milliards de mobs qui m'attendent au bout du désert! Il y a quand même des tigres dans le désert, vous voyez? On peut faire des chemins avec ce truc là, c'est super beau. Oh non, il y en a encore un qui arrive. Ah, ils font pas de dégâts, c'est dingue. Ils m'infligent quoi, je sais pas. Ah, j'ai de la résistance. Ah ouais, j'ai de la résistance. Mais c'est ça, c'est normal. On donne. Il y a des dimensions où dès que tu rentres dedans, t'as un bonus. Donc effectivement, ça c'est pas une structure. C'est juste de la terre en fait. Regardez-moi ça, il y a un lion tout seul là-haut. Quoi, tu me lootes ça toi? Ah, il va faire nuit. Ok. Alors il y a toujours masse mob qui m'attendent là-bas. Donc on va pas trop y aller, surtout que la tortue là-bas, je sais qu'on peut pas la taper au physique. Ni avec les balles, je crois. Mais seulement les arcs, je sais plus. On va essayer de se balader un peu pour trouver une structure. En gros, faudrait que j'aille là où il y a les mobs en fait. C'est très dangereux parce que regardez, il y a masse de mobs. Oh purée, regardez-moi ça. Oh, mais attendez, il y a des milliards de mobs. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais me faire gangbang. Ok, bah, je me suis déjà fait spotted par un tigre. Casse-toi. Qu'est-ce qu'il m'a infligé comme truc là? J'arrive pas à le voir. À chaque fois, ça disparaît. C'est quoi ça? Ah ouais, on peut descendre carrément. Dégage toi, dégage, dégage! Oh purée. Ah bah c'est bien, il ne laisse pas de bave sur le sable. Ah ça c'est cool. Comment vous voulez que je repère quelque chose? Il y a des mobs de partout. Oh, je me suis fait spotter par trois tigres. Ah! Vous ne m'aurez pas! On va plutôt voyager sur les arbres, vous pensez? On va aller sur les arbres. Ah ouais, mais attends, faut que je monte là-haut. Ah, truc. Je suis perdu. Oh, chier. Wouah, mais regardez-moi ça, comment c'est buggé! Lui, bizarrement, il veut danser la Java, donc très bien, vas-y, danse la ta Java. Moi, je veux plus te voir. Ciao, je me barre! Bon, bah, c'est légèrement buggé par ici, hein. Là, c'est quoi? Toujours désert. Il y a un truc là en dessous, on dirait. Ah bah non, c'est juste des petits arbres en fait. Ok. Le gravitateur m'aurait beaucoup aidé. En fait, je crois que le désert était mieux. Il y avait personne, c'était cool. Ouais. C'est bien parce que du coup, le sable fait office de grotte. C'est cool. Très joli ce sable. J'aime beaucoup la texture. On pourra peut-être s'en servir pour la déco. Et il y a des bugs. Ah, c'est pas des bugs de lumière! Ah, c'est des blocs. Ah oui, d'accord. Ok, je pensais que c'était des bugs de lumière. Oh, c'est de l'espèce d'obsidienne verte. Qu'il appelle juste stone. Alors, putain, il y a des mobs sur les arbres, quoi. Et au fait, j'ai pas fait de point vers le portail, mais c'est pas grave. Ouais. Je voulais en faire un, mais je l'ai pas fait. J'avais tellement hâte de découvrir ce qu'il y avait à découvrir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un truc là.
Ici. Je sais pas ce que c'est, mais ça a pas l'air très normal. Ah, je le vois sur la map. J'ai bien envie d'y aller. Et là, on est dans quoi? Désert, toujours. Il y a une structure là-bas, je suppose que c'est. Ah là, j'ai pas le choix. Voilà, j'ai amorti la chute. C'est en dessous ou c'est au-dessus? Logiquement, c'est au-dessus, regardez. Là, c'était. Ah, ben c'est juste des arbres! Ok, d'accord, super, c'est juste des arbres. Mais je suis où là? Un champ de précasien, très bien. Eh, c'est pas mal pour construire ici. C'est tellement plat. On peut construire, hein. Regardez les arbres. Il y a tellement d'arbres différents ici. Regardez-moi ces arbres. Oh, mais quel arbre gigantesque, purée. On peut faire tout et n'importe quoi avec ce bois. Dommage que j'ai pas de tricapitator, sinon j'aurais tout dégommé en un coup. Oh là là, là je sais pas combien de stacks tu te fais avec cet arbre, hein. Mais avec ces trois arbres, quatre, là je pense que tu remplis un double coffre. Oh ouais. Voilà, donc désolé, cet épisode était un petit peu long, mais voilà, j'ai visité Precasia et du coup, je pense qu'on va se laisser ici parce que j'avoue que pour l'instant les mobs n'ont pas été répartis dans les biomes, mais dans la prochaine version, il va les répartir sur les biomes. Donc vous voyez un petit peu les nouveaux biomes qu'il a installés, comparé à Siphano qui lui n'a zéro biome. Voilà, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus joli, hein. On a des montagnes, enfin, ça c'est plutôt un désert, mais je sais pas pourquoi il met pas montagne en fait. On a un champ, on a bah, le truc de base quoi. En tout cas, voilà, c'est super comme truc. Franchement, c'est très beau. Après, faut évidemment qu'il recode un petit peu parce que forcément, c'est pas forcément très optimisé tout ça. Par exemple, les plantes. Pourquoi est-ce qu'on doit les casser aussi longtemps? Pourquoi est-ce que quand on casse la base d'une plante, ça ne détruit pas toute la plante, etc., etc. Par exemple, quand tu enlèves tout le bois, pourquoi est-ce que les feuilles ne s'enlèvent pas toutes seules? Enfin voilà. Il y a plein de choses. Regardez-moi cette génération. Oh, mais c'est magnifique. Regardez-moi ça. Oh les gens. Oh les gens. Bah, là, je pense qu'on a trouvé un spot. On est dans le désert. Regardez-moi ça. Regardez! Mais c'est magnifique! Les arbres et tout. Bon, là, il est un petit peu encastré, c'est un peu débile. Mais regardez-moi cette génération! Les arches! Oh là là! Mais c'est magnifique! La génération, par contre, j'ai rien à redire, elle est superbe. Ah là, par contre. Chapeau. Chapeau au modeur. Là, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais regarde-moi ça. Ça fait des super belles montagnes. Il devrait appeler ce biome montagne et pas désert. Oh là là, regardez-moi ça. C'est tellement beau. Les arbres sont époustouflants, c'est des superbes biomes. J'adore cette pierre, je la veux. Je prends un échantillon. Je sais pas, peut-être que je vais faire le sol de ma baraque avec ça. Ça a l'air super beau. Et le bois, il est pas dégueulasse en plus. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas grimper là-dessus malgré le fait qu'il y ait ça sur la texture, mais. Mais voilà quoi, c'est déjà très beau. Là, je retourne sur mon portail. Portail. Ouais, c'est ça, mon portail. En fait, je crois que mon portail, je l'ai. Il était. Mon portail était. Là où il y avait de la bouse. C'est dans le coin ici, ouais. Je regarde juste. Là, il y a un truc. Ici, il y a un truc. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une structure. Parce que voilà, vous voyez qu'il n'y a pas, il n'y a pas encore de structure programmée pour ces biomes-là. Pour l'instant, il faudra se contenter de ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce long épisode, hein, qui est vraiment spécial, juste parce que j'ai vraiment voulu faire des tas de choses. On a beaucoup exploré cette dimension qui est nouvelle, parce que avec l'ajout de biomes, ça rend vraiment le jeu beaucoup plus intéressant. Et donc, voilà. Bon, bah écoutez, moi je retrouve ce portail, je mets un point au portail, et on se retrouvera dans l'Overworld dans le prochain épisode. Allez, bye tout le monde!